La planète Mercure est la plus petite planète du système solaire. Elle se situe entre le Soleil et Vénus. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. La sonde Messenger a été lancée le 3 août 2004 à bord d'une fusée. Elle a effectué un premier survol de Mercure en janvier 2008, ainsi qu'un second le 6 octobre 2008, puis elle a effectué un troisième passage à 200 km d'altitude. Le 18 mars 2011, la sonde Messenger a été en orbite pour étudier la magnétosphère, les composants chimiques de surface et la structure. La sonde a terminé sa mission le 30 avril 2015 en impactant Mercure. Durant sa mission, elle aura pris près de 277 000 photos. La distance moyenne entre Mercure et le Soleil est de 57 909 175 km. Mercure possède un noyau liquide de 3600 km de diamètre. La distance moyenne entre Mercure et le Soleil est de 57 909 175 km. La superficie de Mercure est 0,147 fois celle de la Terre. Mercure a un diamètre de 4879 km et un rayon de 2440 km. La température maximum sur Mercure est de 427 degrés Celsius. La température moyenne sur Mercure est de 169 degrés Celsius. La température minimum sur Mercure est de -183 degrés Celsius. La vitesse orbitale de Mercure est de 172 341 km par heure. L'atmosphère de Mercure est quasi inexistante, on en décile quelques traces, on dit alors qu'elle est exosphère. L'atmosphère est extrêmement fine à cause de la température très élevée de la surface et de la faible gravité de la planète. Au premier temps de leur formation, toutes les planètes solaires ont possédé de l'eau. Mais leur distance avec le Soleil a abouti à des situations différentes. Mercure, qui est la planète du système solaire la plus proche du Soleil, a fortement chauffé, et a fait que son eau s'est progressivement élevée sous forme de vapeur d'eau vers les plus hautes couches de son atmosphère. Là, elle a été dissociée par le rayonnement ultraviolet solaire, donnant de l'oxygène et de l'hydrogène, lequel très léger, s'est échappé dans le milieu interstellaire. C'est aujourd'hui une planète sèche sans atmosphère, mais qui contiendrait encore une certaine proportion de glace emprisonnée en son sein. La zone habitable ou zone d'habitabilité autour des étoiles est une zone théorique où l'eau peut rester liquide à la surface d'une planète et les conditions physiques, température, sont compatibles avec l'existence de la vie.